Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce let's play sur Kingdom Hearts 3. Au dernier épisode, on avait donc fini les Caraïbes avec Jack Sparrow et toute sa bande. Et donc à cet épisode-ci, nous allons attaquer San Francisco, qui est le monde de nouveau héros avec B-Max, qui est pas trop mal en rebondissement et qui change de ce qu'on peut voir d'habitude. C'est d'ailleurs pour le Disney, je l'ai vu, celui-ci. Merci les enfants. Et franchement, je l'ai trouvé pas mal. Je le conseille à ceux qui ne l'ont pas vu parce que l'histoire est vraiment intéressante et dégage une émotion particulière en fait. Donc sur ce, nous allons commencer notre partie. Oui, je veux. Il va falloir que j'y regarde parce qu'il y a un moment que j'ai pas regardé un autre vaisseau. J'y regarderai hors capture. Mais je pense que je peux l'améliorer encore un peu maintenant. Premier petit combat spatial de la vidéo, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas trop mal. Et en fait, dans ces phases de combat, plus vous faites de points, plus vous êtes susceptible d'avoir un rang élevé et de ramasser des cubes pour votre vaisseau. Ils peuvent servir d'armes, d'armure ou de cubes de HP pour vous donner un peu plus de vie. Je le prends pas tout de suite hein, le diamant, parce que comme je disais, je ferai des vidéos exprès pour ces trucs là. Donc si je commence à les prendre en dehors des vidéos spécifiques, au moment de les faire il va m'en manquer, je vais avoir du mal à vous les retrouver. Autant tous les faire d'un coup, ce sera plus pratique, et pour vous et pour moi. Oui, c'était le but du voyage, d'atterrir dans ce monde, bien sûr.
Oh, wow! Oh, cool! Come on, let's go! Oh, but I want to take a look at the big city! Yeah, it does seem pretty exciting. I feel so metropolitan. Cosmopolitan? Cosmopolitan! Ooh! Huh? Now what? I gotta tell Riku what a blast this place is. But we just got here. We haven't even done anything yet. Blast? I'll show her a blast. The Heartless! Come on! Whoa! Go, go! Are you okay? What in... Go-Go! Baymax! Go-Go's suit has shielded her from a major injury, but the blow she sustained to her head has caused a mild concussion. We should take caution and not move her until we can fully stabilize her head. Got it. Oh, cool! Hmm? That's a robot! Hello. I am Baymax, your personal healthcare companion. Oh! Wow! Cool! This rules! Sora, remember our other problem? Whoops! Oh, yeah! Hey! Who are you? Oh! I'm Sora. And I'm Goofy! Name's Hero. You mind helping us fight those things? Huh? Our team's called Big Hero 6. Sure. Et nous voici donc arrivés à San Francisco. Let's go, Baymax. Et c'est parti, nouveau monde, nouveau type de sans-cœur. Des sans-cœurs robotisés apparemment pour ce monde-là. Ah, je vais pas changer de Keyblade. Je voulais mettre le pavillon noir. Je vais le faire après ce combat là. On adore les pirates, autant servir de la Keyblade qu'on a gagné chez eux. En plus, pour moi, c'est l'une des meilleures Keyblades du jeu avec l'Ultima, bien sûr. Ultima, donc bien sûr, je vous ferai le tuto pour l'avoir. Il n'y a pas de souci là-dessus pour ceux qui la veulent. Elle est pas très très compliquée à avoir, l'Ultima, mais très contraignante par contre. C'est un enchaînement de plusieurs petites missions et récoltes à faire pour pouvoir la forger, et c'est assez long à faire, mais pas compliqué du tout. Alors les phases de tir en slow motion comme ça, je suis juste super fan. Good.
Peel running! Hmm. Yeah. 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 Mais ça va plus vite comme ça quand même. Donald, un petit peu de foin s'il te plaît, ça sera pas de refus. Ah bah merci. Si tu le fais en même temps que je le dis, c'est nickel. Ah, il est un peu plus gros celui-là. S'occuper des petits, voilà. Maintenant, on s'occupe du gros tranquillement. Alors je le redis, hein, le gros avantage des liens comme lueur du roi avec Sinbad, c'est que quand ils apparaissent, ils rendent complètement notre vie en fait, ils la rechargent complètement. Et ça c'est vraiment, bah, c'est juste trop cheaté quoi. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'ils utilisent toute notre barre de magie. Alors les attractions Disney, je les utilise que rarement, à part pour leurs ultis, parce que j'avoue que j'aime pas trop le gameplay qu'elles offrent. Elles sont généralement pas très faciles à contrôler et niveau dégâts n'en font pas plus que ça. En général, quand je les invoque, c'est que je suis assez mal niveau vie et que je me sers de leur ulti directement pour pouvoir sécher le boss ou pratiquement le sécher. Not cool. People like spectacle, not truth. Yeah, who needs quality reporting when you can just make stuff up? I don't get it. I mean, didn't they see how awesome we were? Sure, those things landed a couple of good hits, but we had chem balls and laser hands and fire breathing! Well, it really didn't matter. They beat us. Where'd they come from? Well... Why don't we ask the guys who actually stopped them? Hiro, you never introduced us. Oh, right. Well, this is the gang. That's Gogo. Mm. He's Wasabi. How you doing? And that's Honey Lemon. Hello there. What? I'm Fred. Don't be alarmed.
This is not my real body. Good. For a second, I thought this was the monster we were... Those three are Sora, Donald, and Goofy. Huh? Keyblade Hero 3! I am detecting minute contractions in your faces and shoulders, perhaps due to the garage's brisk temperature. To remedy that, I will give each of you a hug and warm you with my internal heat source. Why did you say that? Sora, you know Donald and I don't have keyblades. So, are we heroes or aren't we? Not here, not. The monsters. Tell us how you managed to take them down. They're called the Heartless, and they're drawn to the darkness inside people's hearts. Ooh, now we're talking. Light versus darkness. Classic conflict. Would you calm down, Fred? What? This is serious. Very serious. We don't have any way to fight them. Wait, so we're just gonna give up? With our current skill set, my analysis places our chances at 0.0000. Yep, we get it, Baymax. Hey, don't sweat it. The three of us will go take care of the Heartless for you. Right? Donald? Goofy? Wait. We're going to. It's okay. We got it. We have to help. My brother would have. Yes. Yeah. Great, but don't we need a plan? We train up. When heroes are brought low, they get new powers. It's Shugyo time. Did you read that in Geek's Quarterly? Fred's actually not wrong. I may have an idea. AR device? Yeah. Cool, huh? It creates a CG overlay that augments your vision. While you wear it, this device sees everything you do and logs it. Huh? You put it on your face. Heartless! Donald! Goofy! Are you okay? There's no Heartless here. Whoa, chill, Sora. Just take the AR device off. Wow! I have no idea how you're doing it, but this is cool! Thanks. But so far the map data only covers San Francisco. I need to expand it. Now can we Shugyo? Not yet, Fred. He's still learning. Sora, all you need to do is run through some courses that Hero scripted. Like a minigame. We'll put a tracer on your movements, so we can... Shugyo! 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 So we can Shugyo. Shugyo! 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 I guess Shugyo's like training. That's a good idea. We could probably use the practice. Speak for yourself! I can Shugyo by installing new combat data. Huh? Hey! Huh? Let's just try it out. Comme je le disais, je vais changer ma Keyblade déjà. Et je vais mettre le gouvernail du destin, qui est juste une arme excellente, vous allez voir. Voilà. Regardez les compétences, vite fait. J'ai encore un peu de marge, je vais pouvoir en mettre.
La super glissade. Combo aérien. J'ai plus de points. Ok. Donald. Ça oui. Dingo. Ok. Acheter la pièce coupon, on l'a déjà. Ça, c'est ce que j'ai. Rien de nouveau. Shout when you're ready, Sora. C'est parti. Interesting. Gravity, not binding. Hey, wait. My laser hands can be projectiles. Weapon, change the attack. Whoa, a freeze attack. Fire and ice, diametrically opposed. Or so we thought! Thanks, Sora. That should be enough data. And I think you sparked some new ideas. Yeah, Hero. I think there's a way to try to get my Stitch. Non, merci. Je suis pas fan du personnage. Après, peut-être que la trappe-cœur est bien, mais non. Je vais rester avec Sinbad, je pense. That should do it. We interrupt your scheduled program to deliver this breaking news. Moments ago, the city's South District was attacked by numerous unidentified creatures. Witnesses described losing sight of victims during the mayhem. Many also said they saw strange floating heart symbols in the vicinity of the missing victims.
City police are urging citizens to stay at home. For those just joining us, only minutes ago, the South District was attacked by... Go time! Yes! On va faire une petite sauvegarde. On va faire ici. Sora, you ready? Enfin un peu de combat, parce que comme tout arrivé dans un nouveau monde dans Kingdom Hearts, il y a pas mal de cinématiques avant, donc ça fait plaisir qu'il y ait un peu de combat après quand même, surtout pour vous, parce que je pense pas que vous soyez là juste pour voir de la cinématique non plus, mais maintenant ça devrait aller mieux, on devrait avoir un petit peu plus de combat une fois les cinématiques d'intro passées. Derrière la carte. Et l'avantage donc de cette Keyblade là, c'est que non seulement c'est l'une des meilleures parce qu'elle fait vraiment très mal, mais qu'elle a aussi trois transformations où les autres n'en avaient que deux. Souvent quand vous devez aller en hauteur comme ça et que vous ne trouvez pas, regardez bien autour, il y a un point d'ancrage pour pouvoir s'y accrocher à distance. Des Minotaurs, il y avait longtemps. Regardez à quel point la part de vie tombe, franchement cette Keyblade là est vraiment énorme. Un petit feu d'artifice pour les achever. Oh, j'en ai vu un autre. Yeah.
Et le coup de grâce qui est magnifique. Hop, on continue. Donald, j'aurais besoin d'un petit soin. Merci. Un petit coup de patte de Sinbad. Qui en plus de recharger la vie, comme je vous le disais, fait vraiment pas mal de dégâts de zone avec le feu. Et son ultime qui ferme vraiment toute la zone. C'est clair et net. Cake. Wait, Sora. Huh? Something big's coming your way. Quelque chose d'énorme. Ah oui, effectivement. Ça prend un peu de place. Gotcha. I'll take care of it. Ce qui est excellent aussi dans ce jeu-là, c'est qu'on a une tenue différente à chaque fois qu'on visite un monde. Ça, c'est bien pensé quand même. On a une tenue qui s'adapte graphiquement. Et au niveau du chara-design, je trouve que ça fait énormément de choses d'avoir la tenue adaptée au monde où on est. Et dans l'immersion aussi, d'ailleurs. On va attendre le dernier moment pour utiliser l'ulti, histoire de bien optimiser l'utilisation. Donald, s'il te plaît. Ou je me soigne tout seul, sinon pire. On va utiliser le coup de grâce tout de suite de Sinbad. On va pas perdre de temps. Dès que l'armure sera tombée, on va utiliser le coup de grâce du pavillon noir. Il en manque un peu, ça devrait aller. Bon, il y a encore quelques barres de vie quand même. J'avais pas vu qu'il avait autant de points de vie que ça. La forme rage qui rend aussi toute notre vie, mais par contre, si on utilise l'ultime de cette forme là, ça nous consomme des points de vie, donc c'est à double tranchant en fait. Et il encaisse bien quand même. Bon, on l'a presque eu. Fallait qu'il s'en aille. Voilà. J'étais en train de me demander où il était passé. Donald, touche-moi s'il te plaît. Donald. Oh, bah merci Bimax. Donald y dormait un peu apparemment. Oh, il est où lui? Ah là-bas, d'accord. Là, tu t'es barré bien loin en fait. Yeah.
Hop, on évite. Et on revient s'occuper de ce cher dragon. Enfin, dragon, vous m'avez compris. Donald, tu dors là. T'es censé être le mage, hein, puis c'est Bimax qui me soigne. Je vais revoir ta paye à la baisse. Hein. Quoique je suis pas sûr de te payer, mais tu m'as compris. Just try and catch me. Nice, Baymax! Huh? What? Now we fist bump. Fist bump? To display no, Sora. Tu connais pas le check? To me. So, like, this? Ba-la-la-la-la-la. Ba-la-la-la-la-la-la? Get ready! Another one! We're here! Can't we pick on one our own size? It looks the right size to me. Watch me scorch him with my freeze-nado! The only tornado made of ice and fire. You took on the wrong top magician! And the wrong captain of the guard! Prepare to face Keyblade Hero 3! Oh, come on! And the crime-fighting team? Of Big Hero 6. Together, we're unstoppable. Yes! Alors j'aime bien l'entendre dire Big Hero 6, et dans la traduction, ils mettent au nouveau héros tout court. Petite faute. Mais bon. Was that awesome? Je chipote, j'avoue. Or was that totally awesome? Jumping! Yeah, I was pretty good.
Your magic is amazing. Mais à mon avis, le 6, c'est parce qu'ils sont 6 dans leur équipe, en fait. C'est pour ça qu'ils ont mis dans la traduction française Big Hero tout court. Enfin, au nouveau héros tout court. My brother wanted to help people. Now we try to do the same. Your brother? Yeah, Tadashi. There was a fire and now he's gone. But he always wanted to make a difference. He cared about people. That's why he worked so hard to create Baymax. I'm sorry. He's still here. Ouais, c'est vrai. Je sais ce que je vous disais. Si vous regardez l'anime Big Hero, vous allez voir que l'histoire est vraiment très touchante. Hein. Huh? Yeah. Right. He will always be a part of us, in some way. And when you're not strong enough, he'll make up the difference. Sora, you okay? Yeah, fine. Oh. I'm with you. Got this. Time for a lesson. G-R! Wait, guys, that one's not like the others. It can't be. Microbots? Microbots? Huh? You know what they are? Well, they're different from Heartless. Microbots are designed to do whatever you think via a neurotransmitter that communicates what you're... Huh? They're kind of a mini-bot I invented. Some bad stuff happened, and I thought that meant they were totally gone. But those enemies are way too similar. Which means someone's controlling them. The question is, who? Huh. Could it be? Oh. Hmm. I'm gonna go back to the garage and look into it some more. You mind going after him? Sure! Of course. We need you on the science-y stuff! Baymax? Stick with him. All right, hero. Sora, Donald, Goofy, I will be your personal healthcare companion. Oh. Thanks, Baymax. We're in good hands. Come on, let's move! Hurry, Sora! Sur ce, les amis, nous allons nous quitter là.
nous allons voir la suite au prochain épisode. D'où viennent ces micro-robots et pourquoi ils nous attaquent maintenant. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye.